Je m'appelle Danielle Annie Marais et je viens à vous, puisque j'ai cette très belle occasion de m'exprimer quelques minutes pour présenter mon premier ouvrage, en fait, qui s'appelle Géographie et architecture sacrée, qui vient de sortir aux éditions Dervy en novembre 2007, donc très récemment. J'ai été peut-être amenée à écrire cet ouvrage après beaucoup d'années de recherche, d'études, mais aussi d'enseignement, disons pour situer à peu près une bonne vingtaine d'années. Mais je suis peut-être plus attirée après quand même un certain parcours que vous pourrez d'ailleurs peut-être décrypter un petit peu dans mes éléments biographiques. Effectivement sur le thème de l'anthropologie religieuse alliée à l'ésotérisme qui me tiennent particulièrement à cœur depuis peut-être une bonne dizaine d'années, avec effectivement cette envie de retracer un peu l'histoire de la dimension du sacré dans l'homme au niveau justement de ce qu'il constitue à mon avis depuis l'origine et ce qui différencie aussi beaucoup d'autres règnes. Il faut bien dire, parce que c'est quand même quelque chose qui nous élève, hein, nous induit à aller plus loin, à nous grandir, à nous dépasser. Et j'ai essayé de comprendre un peu dans plusieurs civilisations et à travers tout un fil conducteur qui est en fait la pensée symbolique, la possibilité en fait de vous emmener dans ce voyage un peu à travers le temps. En vous essayant de vous faire un peu comprendre comment en réalité cette dimension du sacré avait évolué aussi et avait fait en sorte que nous soyons aujourd'hui encore, je trouve, très marqués, même si c'est malheureusement peut-être un peu trop évacué et rejeté dans notre civilisation occidentale, mais néanmoins encore très persistante sous beaucoup de symboles qu'on décrypte plus ou moins bien. J'ai effectivement conçu ce site aussi pour un peu mieux cerner l'histoire de cet ouvrage, qui est quand même d'une certaine complexité, qui m'a demandé beaucoup d'années d'investigation, de recherche, et qui est un peu une somme de connaissances, mais que j'aimerais vraiment et avant tout partager avec le plus grand nombre, toucher le plus grand nombre de gens, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe, mais néanmoins qui traverse toute notre société humaine, puisque là je remonte un petit peu à l'origine de la pensée dans ce qu'elle a de plus, je dirais, originel, de plus essentiel, à savoir la dimension du sacré. Quand l'homme, en fait, s'en est un petit peu aperçu, quand est-ce qu'il a eu cette révélation, et ce qui l'a amené, bien sûr, à se comporter autrement, petit à petit, à prendre conscience de plus en plus de certaines valeurs, de pouvoir les projeter également, et puis finalement d'en arriver à ordonner un monde beaucoup plus, je dirais, cohérent autour de lui, avec des représentations de la nature, avec petit à petit aussi une échelle de valeurs qui s'est constituée, et finalement qui l'a amené à créer les premières organisations humaines, en société d'abord dite archaïque, et puis progressivement, en se standardisant, à de plus en plus s'organiser autour de centres urbains, ce qui nous amène bien sûr à un grand survol des civilisations importantes, anciennes, qui finalement sont nos ancêtres à tous. Au fait que nous sommes ici aujourd'hui avec la culture que ça représente, mais aussi les mouvements religieux, les grandes religions qui toutes sont issues de la notion du sacré, et d'autre part également, bien sûr, tous les rituels, les mythes qui se sont constitués autour de ça et qui ont en fait été le fondement des premières croyances religieuses et qui ont indéniablement amené les hommes à bâtir en particulier les premiers temples d'après souvent des éléments naturels, puisque c'est d'abord dans les sanctuaires naturels qu'ils ont évidemment commencé à se rapprocher de ce monde invisible qu'ils pressentaient. Mais petit à petit, ils ont eu envie, en étant plus dans des lieux stables, en se stabilisant, de construire des lieux impressionnants dans lesquels ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour d'ailleurs, puisqu'on sait que c'est les seuls éléments qui nous restent finalement souvent de ces civilisations, des habitations évidemment, des personnes elles-mêmes ayant totalement disparu. Donc ils ont mis en fait effectivement non seulement de l'énergie, de l'amour, mais aussi beaucoup de foi, beaucoup de ferveur. Et cette ferveur est venue jusqu'à nous, quelque part. C'est ce que nous admirons peut-être encore énormément en visitant ces lieux archéologiques exceptionnels,
que dans la dernière partie du livre, je fais effectivement un grand survol par rapport à des constructions très emblématiques sur tous les continents et qui justement nous sont pour nous des exemples, des référents absolument exemplaires de la continuité de cette notion et de cette dimension du sacré qui en fait a habité les hommes sur les 5 continents et ça depuis, on peut dire, l'origine de l'humanité. Donc c'était un peu mon objectif. Mon objectif, il était celui-là, y compris aussi, bien sûr, de pouvoir non seulement partager toutes ces connaissances avec vous, mais aussi d'échanger par la suite, d'essayer peut-être d'élargir un peu des réseaux, de connaître des personnes qui d'abord sont susceptibles d'avoir bien d'autres types de connaissances dans ces domaines, et qu'on puisse en fait les partager. Avec évidemment peut-être un groupe de travail, des séminaires et des activités culturelles à la clé que j'ai bien l'intention de lancer dans le courant de l'année. Mais ça dépendra aussi de vous, de votre accueil, de ce que vous aurez envie finalement qu'on puisse en faire, parce que c'est en réalité un outil pour moi, un outil de travail. Donc d'une part un aboutissement d'études certes, mais aussi un point de départ, pour peut-être aller plus loin et pour justement envisager d'autres types de relations et d'échanges. Voilà, donc je compte sur vous absolument pour avoir votre avis le plus rapidement possible quand vous aurez parcouru l'ouvrage et qu'effectivement on puisse aller peut-être beaucoup plus loin ensemble. Merci en tout cas de votre attention.